Tout simplement, pour perdre rapidement du poids, il vous suffit d'avoir comme unique boisson de l'eau. Premier conseil, prenez-en partout avec vous, faites une cure, ne buvez que de l'eau. Deuxième conseil, supprimez les sucres industriels, tout ce qui est sucre rapide, tout ce qui est sucre raffiné. En l'occurrence, le sucre blanc et le sucre roux. Supprimez absolument tout le sucre rapide de votre alimentation. Je vous rappelle qu'il y en a, mais vous le savez bien, dans les sucreries, les pâtisseries, les viennoiseries, les sodas, les jus de fruits. Supprimez le sucre, regardez les étiquettes, il est marqué dessus, sucre simple, vous n'en consommez plus. Troisièmement, diminuez les graisses saturées. Je pourrais m'arrêter aux deux premiers conseils. Il est certain que vous perdriez du poids. Néanmoins, pour votre santé, ce ne serait pas optimal, car vous enrichirez votre alimentation en graisses saturées. Et je me dois, en tant que professionnelle, de vous mettre en garde contre les graisses saturées qui vont vous provoquer des maladies cardiovasculaires. Donc le troisième conseil, c'est diminuer les graisses saturées. Quatrième conseil, et ça en tant que médecin, je ne peux pas le passer, il faut pratiquer une activité physique régulière. Mais entendons-nous bien, je ne vous demande pas de faire du sport. Je vous demande simplement de ne pas être sédentaire. Il est simplement recommandé d'effectuer 30 minutes d'activité physique modérée 5 fois par semaine. Vous allez marcher, vous prenez l'escalier, vous vous garez plus loin, vous faites un peu de vélo, vous jouez avec votre enfant au ballon. Si vous additionnez toutes ces petites minutes d'activité physique modérée, vous êtes rapidement à 30 minutes d'activité physique par jour. Donc je répète, faites une cure, ne buvez plus que de l'eau, supprimez le sucre simple industriel, limitez les graisses saturées, donc regardez les étiquettes, et enfin, ne restez pas sédentaire, statique toute votre journée.